aujourd'hui que son atelier a beaucoup de cachets. Elle veut protéger cet endroit unique. No entres! Elle cache peut-être un objet mystique de son pays. J'ai tout fait pour qu'elle me laisse entrer. Je lui ai offert plusieurs bouquets de fleurs. No entres! En équipe avec mes amis, nous avons décidé d'enquêter. Nous avons donc utilisé chacun notre savoir-faire. Eva Dali, la flexibilité. Leila, son charme mielleux. Django, le camouflage. Et moi, un sens de la déduction infaillible. Django a réussi à entrer dans l'atelier. Et depuis, nous n'avons pas revu. Nous sommes de plus en plus convaincus que ma mère nous cache des pouvoirs maléfiques. Leila, en guise de distraction, a réclamé sa dose d'affection à maman. On s'est alors précipité à pas de souris dans l'atelier. Budgétaire. Vis-à-vis la porte du garde-robe, nous avons entendu des bruits étranges. Voilà! Django avait trouvé le trésor. Finalement, qui sommes-nous vis-à-vis de ces inconnus qui vivent la leur ? Chaque matin, je me réveille au son d'une radio qui griche. Tout ce que j'entends, c'est des interférences, comme des bribes de conversation dans une langue que je ne comprends pas. Je ferme ma radio, mais ça me suit. Quand je parle au monde, ils sont pas capables de s'intoniser sur qui je suis. Nous parlons tous la même langue, mais souvent nos préjugés viennent brouiller notre message, même si on parle tous un beau français. Et le français, c'est ma langue. J'aime jouer avec ses lettres, ses sens et ses sonorités. Mais secrètement, je rêve d'une langue qui dépasse les règles de grammaire. Je rêve d'une série de regards, complices, qui entendent l'unique que j'ai à dire. Je rêve de la fin des interférences et d'un coup de foudre vis-à-vis de mon cœur qui a faim de vrai.